Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon. Je vous dis des conneries en fait, mais je m'en rends compte une fois que je l'ai dit. Donc on va faire une vidéo de course. On va faire une course dans le moderne D. Voilà. Celle-là, j'ai réussi à la faire en... Oui, ok. Donc je vais me faire celle-là avec vous au volant. Attendez. Parce que quand même, faut que je vérifie si les options sont bonnes. Donc jouabilité. Ouais. Oh. Combiné. Donc ok, donc on a fini les paramétrages. On va voilà, on va vite fait se faire une course de carrière. Tac, donc une ici, tac, donc on a notre BM. Ok, donc là ça charge. J'espère que je vais pas avoir le même problème que sur Shift 1, en gros, que le volant se décalait en fait. Je sais pas pourquoi le volant, bien le centre du volant en fait se décalait. Ah, c'est quoi, il y a... Ok, c'est ta première course en nocturne. Cherche pas, il n'y a pas pire condition. Allez. Je suis censé être en automatique. Ouais. Bon, attendez. Je vais voir le truc. Bon, attendez, on va quitter. On va aller retourner dans le mode menu. Ouais. C'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, tuk. Parce que là c'est pas normal. Expérimenter facile. Commande. Mais. Ah c'est pour ça alors, parce que j'étais en... Donc je vais repartir sur... On va repartir, on va retenter le mode carrière. J'espère que le son est bon, sérieux, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage si le son il est pas bon. Donc tac, 3 tours. Donc j'ai refait plusieurs fois la course principale. Un tracé rapide et ouvert. Évite de trop ralentir avant l'épingle pour pas couper l'élan nécessaire pour la suite du circuit. Bref, tu peux appuyer. Mais t'es pas censé accélérer comme mode de vie. Ouais, allez, ça y est, feu vert. Il y a un problème là, quelque part là. Quitter. J'ai un problème de commande, je sais pas pourquoi. Pourquoi faut que ça m'arrive toujours au moment où j'ai pas envie qu'il y en ait quoi.
Abdan. Quoi ces conneries? Et je comprends pas pourquoi il veut pas Allez, dépêche, dépêche. Ouais, allez, ça y est, ah bah, là on est bon, là on est bon. Aïe, c'est bon, fallait changer quand même le... que je suis pas là. Bon, là, sur ce jeu-là, par contre, c'est vraiment très compliqué, mais mon volant est complètement décalé, quoi. Donc, je sais pas si ça vient de mon volant, mais il y a une grande chance. Parce que c'est pas normal que ça décale mon volant, en fait. Mon volant est complètement décalé, en fait, je suis un quart de tour décalé, en fait, mon volant. Bon, lui, il va tout droit, et mon volant est... et penché d'un quart de tour sur la droite. Et
le truc c'est que pour qu'il revienne comme il faut, après faut que je parte. Non mais et là, je sais pas, j'ai tourné pourtant et... What? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bon, donc j'ai vraiment fait de la merde sur, ce compte-là. Mais c'est vraiment hardcore en fait, par ben, 3 secondes de retard. Mais pourtant je suis en... Ah oui, mais 3 secondes de retard sur mon... Aïe, aïe. Ah, mais fais chier, merde. Mais le truc, c'est que je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi j'ai un décalage au niveau du volant maintenant. Est-ce que... Bon, je sais pas si vous, vous savez. Pour cette fois. Parce que, en gros, mon volant est pas un, tour décalé, mais un quart de tour, en fait. Un quart de tour sur la droite, donc j'ai gagné que 500 balles. Je vais pas la refaire. Parce que j'ai vraiment fait un tour de merde, hein, pour pas vous dire autre chose. Mais, sérieusement, je crois que mon volant, je sais pas ce qu'il a, il a un problème. Mais en gros, mon volant en fait il se décale de, temps en temps en fait. Mais je sais pas pourquoi, je faudrait que j'aille sur Euro Truck et que je teste ça. On va faire non, retour. On va faire une petite partie rapide. Et on va la tester en rapide pour voir un peu ce que ça donne. Seulement... Ah non, 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 je voulais pas jouer. Merde, non, pas, mais ce que je voulais c'est aller dans les options, la jouabilité, là voilà, on enlève la commande, on se met en boîte manuelle et on enlève le, et là on va en course rapide, entrée. Alors... Voilà. Je... On va se mettre que sur... Non, 3 tours, allez. On met 3 tours. Et hop. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je débloque des, lieux. Putain, je suis con. Je suis vraiment con parce que là en fait c'est des taux marqués. En vrai en fait. Ici, les virages sont rapides et s'enchaînent. Faut faire attention au virage gauche qui suit la butte. Le point de corde est quasiment invisible avant le sommet. Faber, bonne chance et surtout lâche rien. Ça reste assez compliqué quand même. Ça reste assez compliqué. Ça reste plus que l'autre. Et là encore, mon volant continue à, se... comment dire...
à se mettre. En fait, là, mon volant est en bas, en fait. Il est à l'envers. Je vais tout droit, mais mon volant est à l'envers. C'est... Je sais pas, c'est pas normal. Je sais pas si ça vous... Si ça vous dit quelque chose, vous. Est-ce que c'est dedans, en fait, qu'il y a un problème? J'en sais rien. Faudrait que j'essaye sur un truc et voir s'il y a aussi un décalage. Non, je devrais pas avoir de décalage, mais sur autre. À moins que le problème vienne du fait que je mette 180 degrés. Ça peut venir de là aussi. Donc, je sais pas. Si vous savez quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire. Parce que là, je suis vraiment dans les choux, en fait. J'ai mis combien de tours, en fait? En fait, c'est vrai que sur ce Shift 2, en fait... J'ai vraiment fait de la merde. Faut pas dire autre chose. En fait, je me suis mieux débrouillé sur Shift 3 que sur Shift 2, en fait. Sur Shift 1 que sur Shift 2. Mais... Merde, déjà que j'ai un volant qui a déjà plus d'un tour de décalage. J'ai l'impression qu'en fait ça vient du fait qu'il y a beaucoup de... En gros, je fais pas du 180, en fait. Mais merde! Donc, j'ai pas fait un gros coup sur le dernier, mais bon. Bah franchement, excellent, c'est ce que j'appelle une belle victoire. Shift 1, et merde, on va pas mettre trop, c'est pas top top. Franchement, Shift 1 est pas très, est beaucoup moins maniable que Shift 2, je trouve, au volant. J'ai dit trop simple que ce que tu en fais, je crois. En gros, oui, je trouve que Shift 1 est plus maniable que Shift 2. Sur PC au volant, mais j'ai ce décalage là qui se fait, j'ai presque un tour de décalage, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, non pas encore, donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous savez pourquoi j'ai ça sur... Ah bah tu vois, je savais même pas que ça me faisait ça. Si vous savez pourquoi j'ai ce problème avec mon volant. Moi j'en sais rien, j'en sais absolument rien du tout. Donc voilà. Moi ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo. Bon, elle était pas terrible terrible, j'ai vraiment fait beaucoup de merde. Au final je m'en tiens mieux quand je suis à la manette sur ce jeu là. Par contre sur Shift 1, je trouve qu'il est très maniable au volant, c'est vraiment une petite perle. Je préfère encore Shift 1 à Shift 2 quoi. Quoique les deux sont très bien, c'est des très bons jeux. Mais dans tous les cas, je préfère quand même Shift 1 au Shift 2. Voilà. Au volant, par contre, à la manette, Shift 1 est plus plaisant que Shift 2. Au volant, Shift 1 est mieux que Shift 2. Mais à la manette, Shift 2 est mieux que Shift 1. En fait. Je trouve. Après, c'est peut-être parce que j'ai fait que de la merde cette fois. Et peut-être qu'avec un peu d'entraînement, je pourrais faire mieux. J'en sais rien. Mais bon, moi je vais vous laisser là-dessus.
Et je vous dis à la prochaine, c'était le même simulateur, je vous dis ciao ciao. I need a halo.